encore 10 ans, mon amour. T'as encore 10 ans, mon bébé. C'est pas trop off face. C'est trop, trop rare, je maquille, ça fait trop bizarre. Ah, j'ai pas compris un fata. Aïe, j'ai pas compris un fata. Attends, vas-y. T'es pas rien dans ma vie, Kevin. T'auras bien la place pour un 13. Ouais, moi, ce quota sûr. Tu regardes. Du coup, les chéris, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va. Pour tous ceux qui sont en vacances comme nous, la zone C, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. C'est triste à dire, mais ça y est, il faut reprendre l'école. Mais il faut se dire qu'on reste motivé parce que c'est bientôt les grandes motivé vacances. Motivé de la tête aux pieds. D'été. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est un épisode de l'incroyable Famille Mouliem totalement dédié à Lilia. Voilà, parce qu'on vous a partagé toutes nos préparations, déco, tuto make-up, parce qu'il y a le tuto make-up de l'anniversaire de Lilia, outfit aussi, je crois qu'on a montré les tenues, et du coup voilà, la déco et l'unboxing des cadeaux qu'elle a eu pour son anniversaire. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez et commentez. Activez la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on poste une vidéo. Très important, comme ça, quand tu rentres à ta tablette ou ton téléphone, ça te met Mouliem à poster. Mais vous savez qu'en général, je poste le mercredi et le dimanche, toujours aux alentours de 13h. Si la vidéo n'est pas en ligne à 13h, c'est juste que des fois, YouTube est un peu au ralenti ou mon réseau, mais ça arrive, d'accord? Mais surtout, si tu ne suis pas encore sur tous nos autres réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Snapchat, ils vont s'afficher juste en dessous là. Te laisse nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux pour ne rien rater parce que comme je le dis dans chaque vidéo, je vous partage des contenus différents sur tous les réseaux sociaux. Allez maintenant, place à la vidéo, j'attends vos commentaires, dites-nous les cadeaux que vous avez préférés, sur tout ce qu'on va vous présenter. C'est parti, let's go. Donc on est dans les préparatifs d'anniversaire de Lilia, nous sommes le 1er mai. Et du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout préparer. Donc Moya elle a tout mis là. Voilà. On ne monte pas trop, on ne monte pas trop. Ici. On fera une réserve à la surprise et on va tout préparer parce qu'en fait on a acheté des petites boîtes comme ça. Donc on va tout préparer dans les boîtes. Voilà, on va faire une jolie présentation mais on vous montre pas ce qu'on a acheté parce que tout ça vous allez le voir dans l'unboxing des cadeaux de son anniversaire. Mais là on va tout suivre et du coup vous allez suivre l'anniversaire de Lilia avec nous. Donc là c'est parti, on prépare les boîtes. Donc là Monia elle a commencé la boîte. Donc ces petites boîtes je les ai prises sur Shein. Et en fait c'est trop pratique parce que vous les recevez comme ça et il faut les monter. Et vous avez des jolis petits rubans dorés donc ça va être trop joli pour. En fait, je comprends pas à quoi elle est censée ressembler à la boîte. Alors ça c'est le petit truc qui va se fermer. Alors attends, viens, moi je vais essayer de faire. Tiens. Attends, je vais essayer de comprendre. Je vais essayer. Déjà on était à l'envers et là du coup en fait les deux encoches là c'est fait pour se croiser et rentrer comme ça. Voilà. Franchement c'est trop pratique parce qu'elles sont grandes. Et on les a pas payées très cher et si vous voulez faire des cadeaux c'est super original. It's good. Et là en fait t'as le petit truc qui vient se truquer par dessus là à mon avis comme ça. Sauf que ça là il faut le percer parce que mais là, non, il y aura ça, le avec ruban. Ça il y aura le ruban. Et avec ça. Mais ça je comprends pas. Tu le et là. Non ça s'accroche avec comme le ça. Ruban. Oui. Donc là ça y est Monia est elle a ça. Rempli la boîte. Je rentre. Non en fait tu dois le rentrer ici et après tu fais ressortir là. Voilà je le rentre comme ça. C'est ça. Là il a fait un petit mot. Le petit colis bien rempli. Et moi, ma boîte est terminée. Vous découvrirez ce qu'il y a à l'intérieur quand Lilia l'ouvrira. Comme ça? Oui, et après, quand tu peux, voilà. C'est ça. Et je rajoute le doré. Non? Ah oui, ici. Et du coup, tu dois faire pareil avec le petit doré là. Oui, il y a Lilia qui s'occupe normalement sur la terrasse. On a interdit de venir, je sais ce qu'elle est. Tu dois être dans le jardin. Là. Et du coup, pour les reconnaître, les boîtes, Monia a rajouté un petit fil doré. Et moi, j'ai mis que le ruban. Ça y est, nos cadeaux sont terminés. On a tout rangé. Elle est en train d'arriver. Ça y est, Lilia vient d'arriver. On a tout filmé. Mais on n'a pas filmé ce qu'on a mis dans les paquets. Parce que c'est quand toi, tu mouriras que tu montreras tes cadeaux. On a laissé faire un petit... Un paquet. En fait, on a préparé des paquets cadeaux. Paquets cadeaux comme Noël. Mais on leur a pas montré ce qu'on a empaqueté. On leur a juste montré comment s'organiser pour tout ranger. Mmh. Et c'est toi, quand tu vas ouvrir les cadeaux après demain, tu vas pouvoir tout leur montrer. Demain, on dira demain. Et demain, on dira demain. Et après demain, on dira. Parce que là, on est lundi, l'anniversaire, c'est mercredi. Ça. Et du coup, on va tout leur filmer quand on fait la déco. Quoi si je mets plutôt mercredi à 21h, Monia, je prendrai la caméra et je filmerai, je te réveillerai. En ce moment, je me lève plutôt que toi. Voilà, donc cette vidéo, c'est la spéciale anniversaire de Lilia.
11 ans bientôt. Mais là, t'as encore 10 ans. T'as encore 10 ans, mon amour. T'as encore 10 ans, mon bébé. Oh, bientôt, j'aurai un bébé de 11 ans qui va aller au collège. Ah, bébé, mon amour. Finesse, va dans un mois, t'es au collège. Viens. Dans un mois, c'est une collégienne. On peut changer de conversation, s'il vous plaît. Je me sens pas bien. Donc, ça y est, c'est le jour J. On va donner les cadeaux à Monia. On vient de se réveiller. À Lilia. Ouais, je viens de me réveiller, excusez-moi. Et du coup, là, il y a le cadeau de Monia. Là, il y a mon cadeau. Lilia, elle est déjà en bas. Elle nous attend, impatiente, donc c'est parti, on fait ça avec vous. C'est parti pour la journée d'anniversaire de Lilia. Descendre. Ah ok, d'accord. Mon amour. Parle-moi. Le meilleur ou pas? Parce que Monia va juste aimer. Bah oui, et après ils sont bien les deux. Hein. Chacun a des trucs différents. Hein. Oui, parce qu'elle a enquêté pour ses cadeaux. Elle a enquêté. Oh, attends, j'avais pas vu ça. Non, déjà, mon bébé, je vais donner la sœur, ma petite française, je t'aime plus que tout, jusqu'à la lune et aux étoiles, maman. Je vais donner la sœur, mon amour de ma vie, ma Alors, déjà, on va déballer ça. Elle est folle, ce film. Arrête, c'est trop stylé. Maman, c'est qui lui a donné l'idée. Je me demande. C'est pas toi? Non. Je vais mettre mon lit. Bah ça, si vous demandez, du coup, c'est un petit dressing en fait pour alors, mettre des d'oreilles. Mais ouais, mais elle présente pas. Elle présente pas. C'est quoi? Elle montre juste. Ça pour faire quand je fais mes bijoux. En fait, je l'avais demandé ça. Pour quand je fais mes bijoux, bah, que je mets tous mes bracelets là parce que j'ai pas de boîte, c'est rien pour les mettre. C'est la même que toi. De quoi? La bague. Ah oui, j'avais oublié ça. À chaque fois, je fais que c'est des moyens. Et là, c'est la mienne. Attends, je vais la mettre. Et aujourd'hui, tu la mets. En plus, hier, j'étais en train de fouiller dans les bijoux à Monia pour mon anniversaire. Je voulais la mettre. Voilà. C'est la sienne, je l'ai demandé. Et tu peux la serrer. Mais pas au pouce. Oui, elle la met au pouce, elle, tout le temps. Oui, mais ça fait style, ça fait esthétique. Dans les filles esthétiques. À chaque fois, la tienne, elle la met au pouce. Hein. Mais les filles esthétiques, des fois, elles les mettent au pouce. Ouais. Oh là là, ça fait bien. Chiglave, alors là par contre le chiglave, c'est ma marque préférée. Vraiment, je suis un peu quadoubaka. Là vraiment, je peux le faire parce que... Voilà. Tu sais, je suis vraiment d'humeur. Elle voulait pas attendre d'ouvrir les cadeaux devant tout le monde. Non. Hier, elle nous a rangé. Oh non, moi je l'ai vu demain matin. Non, c'est ok. Pardon. J'avoue, tu t'es emballé, toi tu l'as ouvert en même temps. Comment tu sais si. Ah non, je voulais le prendre déjà parce que je savais. Ah oui, c'est vrai. Elle voulait. En fait, elle voulait, elle m'a pas dit. C'est du goût. Ouais. Elle sent bon. En masse, on a fraise. Oh, comme ça. Ah là là, non, non, non. Ça, tu sais ce que c'est à vous. C'est bon, c'est un highlighter. Non. Trop. C'est trop beau. Ça. Ça. Serpette, mais c'est craqué, mon bébé. Bien! C'est trop bien, je vais les mettre dans mon pouce, mon lit. Voilà, je savais que tu voulais te mettre derrière ton miroir. Oh, musclé en gros. Voyons, ouais. Mathieu. On aura des nouveaux pinceaux. Et là, alors, regardez ici, c'est trop beau. Tout est violet. Et là, ils sont vraiment violets. Et là, en fait, c'est bleu. Et ça, qu'est-ce que c'est? Elle sent. Elle sent. Voilà. C'est du goût, elle sent. T'abuses. J'en ai marre d'elle. T'abuses. Oh là là. Déjà, il est emmêlé, mais je vois qu'il y a des très beaux motifs. C'est la lunette. Oui, c'est une chaîne de lunettes. C'est vrai? Eh oui, j'ai pensé, t'as vu? Oh non, par contre, elle est emmêlée, c'est nul. Ça, je savais pas que t'emmêlais par contre. Comme ça, tu mets tes lunettes et t'auras les petits. Tu mets tes. Non, faut le mettre derrière. Tu mets derrière comme ça, tu mets tes lunettes là. Voilà. Et au moins, tu peux les mettre autour de ton cou quand tu veux les laisser. Ouais. Bon, allez. J'y ai pensé. Merci maman, je t'aime. Mon cadeau il est trop beau. Maman. Moi je t'aime. Réveillez, réveillez. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est Shane ça. Oh ah, c'est Shane. Ah, mon anniversaire. Mon anniversaire en fait, ma soeur, je t'aime. Tu grandis trop vite. J'espère que ça va te plaire. Ma. Même moi je sais plus ce que j'ai écrit. Ma kawaii. Hein?
ma kawaii. Mmh. Bah oui. Tu sais, pour écrire bon l'anniversaire, t'aurais pu le faire avec les vagues là comme ouais, ça. Ouais, mais après, beau. Je me suis dit, t'allais pas comme ça. Ça fait qu'il n'y a pas de produit dedans. C'est quoi ça? Enfin, c'est des masques, c'est des trucs comme ça quand tu tombes dans l'eau et après, bah, c'est des masques genre avec l'eau. Et genre, moi, je les utilise pour rincer mon masque. Genre, après mon masque, je mets ça, ça me rince, tu vois un peu. D'accord. T'es trop contente alors. Je les voulais en violet. Voilà. Voilà. Ensuite, c'est quoi ça? Votre lunette? Non. C'est le truc que tu mets de la glace dedans, avec tu des fruits. Le congèles et après tu le passes sur le visage. Ah oui, mais nous on fait le des fois on faisait pour les lèvres avec le labello. Voilà. Là c'est le principe pour le visage. Tu me peux mettre. On te montrera, tu verras. Ah merci. Ah mais j'avais pas envie, j'étais en mode tiens, voici la lunette, mais c'est. oui, en même temps ça se voit pas. Hein. Bah si. Quand tu connais. Qui ressemble à ça quand tu connais. Ah ouais, ça va que tu me saoules, je me vis chez Vendor et mes loupettes et tout. Ah, t'as tout. Les gars, j'ai même deux petites loupettes trop kawaii. Mais elles sont molles. Elles sont trop belles. Ah ouais. Regarde ça. Regarde les cœurs. C'est un beauty blender que tu mets sur les doigts, Nena. Là, c'est un beauty blender que tu fais comme ça. Oh, la matière, elle est beauty blender. T'as vu? Oh, je peux faire ça, regardez. Je les mets là, les deux. Mais pas aussi loin dans tes doigts, c'est au bout. Sinon, tu peux faire d'un côté et de l'autre comme ça, tu vois. Voilà. C'est joli, hein. Ah. C'est un joli parce que t'as fait mal. Ensuite. Alors, laissez-moi découvrir ça. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est écrit. Une vase bonbon. Il y a les fans des vases bonbons de la collection. J'aimais trop les boîtes. C'est laquelle celle-là? Elle est belle. Déjà. Elle est trop belle. Butterfly. Elle est belle, hein. Ah ouais, elle est hyper bonne. Allez, et celle-là, c'est quoi? Oh, je sens l'odeur d'ici. C'est fraise un peu. Je sais pas, mais je sens qu'il a des quotas. Le nuage dernier, il est trop beau. T'as pas dit qu'il marchait pas, ce que t'avais? Oui, non, il se casse direct. Ceux d'action, ouais. Alors, on va tester ceux-là. On verra. Est-ce qu'ils sont en genre éruption, genre, tu sais, genre... Oui. Ouais. Ah. Cool. Allez. Oh, les petits chiens, comme ils sont beaux. Encore une coque de téléphone. Moi, je suis fan des coques en plus. J'aimais trop les bords. Ah, mais elles sont transparentes. Ouais, mais j'aimais trop les bords. J'ai pas vu ça, moi. Vraiment, ça là, je trouvais ça incroyable, tu vois, ces trucs. Et en plus... C'est rose. Et oui, il y a le... Ah non, il n'y a pas le cache. J'ai cru qu'il y avait le cache. Et il y a quelque chose. Il y a un truc. Ouvre-le. Ouvre le petit truc. Et là, elle a le petit miroir qui s'ouvre. L'élastique. Je me suis dit, ça va te plaire, tu vois, le petit miroir comme ça, là. C'est trop kawaii, c'est trop, tu vois. C'est trop pratique d'avoir un petit miroir comme ça. Non, mais le télé. Et voilà. Incroyable. Incroyable. J'aime trop les bords épais, oui, comme ça sur les corps. Et ça, c'est le moment qu'on passe un peu pour nettoyer les pinceaux. C'est faux. Pour nettoyer les pinceaux? Oh non, c'est un truc à savon. C'est le truc avec la fleur. Bubble. Un truc qui fait de la mousse là. Tu mets le savon dedans et tu fais... Enfin, pas forcément un truc qui est pas mousseux en fait. Tu le mets dedans et tu fais comme ça et ça fait ça tout fait plein de mousse. Ouais. Voilà. Voilà, elle a ouvert ses cadeaux. Elle aura le reste ce soir de mamie, Nani et tout le monde. Donc maintenant, on va préparer la déco, on va se préparer, on va vous filmer tout ça. J'aurais pas mis ça. Donc là, on a Lilia qui est en train de se préparer parce qu'elle veut faire thème Coachella pour son anniversaire. Pas Coachella, je fais. Mais on va rajouter les strass, la coiffure, les brillants. T'inquiète pas, ça va faire beau. Quelle coiffure? Donc là, on est habillés. On vous fera un petit outfit après. Moi, je me suis maquillée, je me suis mis en rose parce que j'ai mon petit haut qui est rose. Et moi, j'ai mon ce que je veux. Et du coup, c'est vert. Voilà. Je dis pas, je te laisse dire. Je vais faire un make-up. Comme ça. Pour les yeux. Moi, c'est pas moi, je vais faire. C'est maman qui me fera les yeux parce que Monia sait pas faire les yeux. Si, mais coloré. Voilà. Avec des paillettes et tout. Et Monia va juste me faire le teint. Donc, on oublie les yeux de la fille. Juste le teint comme elle, comme ça. Donc, tu veux glowy un peu. C'est pas glowy, c'est mat. C'est glowy ça.
Et pareil en maths, mais je veux pas que tu mettes de... Si, c'est pas Glowin. Ok. Glowin, normalement, c'est brillé. Ça brille pas, la peau, elle est mate. Tu vois, donc elle est mate. Un peu quand même. Bref. Je te mets pas de fond de teint, là, par contre. Non. Je te mets que l'anti-cerne. J'ai une belle peau. Donc tu fais. Huda Beauty. Bah, dis ça. Je sais pas s'il a ta teinte. Le Nars. Mais non, il est encore plus blanc. Justement, moi j'aime bien quand le dessous des yeux c'est blanc. Oui, sauf que là on est en full face, ma belle. Wow. Attends, c'est pas trop full face. C'est trop rare, je maquille, ça fait trop bizarre. C'est trop bizarre. Donc du coup, je lui ai mis la base Make Up For Ever, la Hydra Boost Step 1 Primer. Comment ça te pique? Je me gratte. C'est normal, elle est en train de couler. Oh, j'ai failli te planter l'ongle. Ah là là, donc vous voyez, on protège sa petite peau de bébé toute douce. J'ai pas une peau de bébé, je commence à avoir 11 ans. Ah ouais, bah t'as une peau de bébé, elle est neuve la peau. Non, elle a 11 ans. T'as pas de bouton, t'as rien, elle est neuve. Mais c'est neuf, hein. Et encore. T'imagines qu'un être humain, il a à peu près 100 ans. Donc 11 ans, t'enlèves 11 à 100, c'est pas grand chose. J'avais 81. Pas grand chose. Donc voilà. Quoi? Non, c'est pas 81, ça fait 89. Non, même pas. Je sais pas, bref, je s'en fous. Donc, je pense que je vais te mettre le Sephora. Soit le Sephora, soit le Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury. Okay. Bon. J'ai cru que tu m'en proposes deux, moi je choisis. Ok, vas-y. Enfin, si j'ai deux produits, parce que sinon. Oui, oui. Si t'as deux produits, t'as pratiquement tout en deux fois, au moins. Tu peux tourner un peu la tête vers moi. Donc là je lui mets bien comme ça parce que je lui mets pas ton teigne parce que c'est bon. Donc c'est le Body Skin Radiant Concealer. Il a des paillettes dedans mais t'inquiète on va le matifier après. Je t'en mets un peu là. C'est lui que t'as mis toi? Ouais. C'est bon. Son nouveau téléphone. C'est qui? Emma. Ah oh, elle a pensé son... Et à Marine aussi elle a pensé. Moi j'ai mis merci à la nuit. Elle a réagi. Attends, snap. Bon, maintenant mon petit blender préféré, vraiment, c'est matière éponge. Ça n'a pas besoin de le mouiller, il est déjà. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Regarde en l'air, s'il te plaît. Merci. C'est pile poil ta couleur. Faut savoir que Lilia est un peu plus claire que moi en un couleur peu. De peau. Oui, un peu. Oui. Ah, pas de ouf. C'est quand même. Non, non. Faudrait peut-être le mettre en silencieux ton téléphone en fait. Mais c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Je suis en train de te maquiller. Non, tu le mets en silencieux, tu le mets en silencieux. Tu le mets en silencieux. Dégage. Elle a un téléphone. Elle a fait comme ça. Bref, anyways, so. Là, on étale sur son petit front. Voilà. Voilà. Arrête de pisser tes yeux. Merci. Je t'aime, ma soeur. Là, vous voyez, je monte toujours sur les côtés du nez. Dites-vous que j'ai dû batailler pour qu'elle me maquille, pour que me laisse la maquiller. Voilà, je dis ça direct. C'est trop beau, c'est blanc. Voilà. Arrête de pisser tes yeux, punaise, elle sourit trop. Mais vas-y, tu la mets le. Mais arrête, bah ferme les yeux. Bah non, en fait, non, ferme pas les yeux. Je tape fort ou pas? Oui. Et là, je tape fort, là? Non. Ferme les yeux. Voilà. C'est bon, j'aime beaucoup. Par contre, il fait comme le cliquot, il rentre pas dans les vides. On va te mettre un peu de gel à sourcil. Même si normalement c'est un tout premier, mais bon. T'inquiète. T'inquiète. Tu connais l'effet. T'es maté. Quoi? T'es maté. Tu connais pas? Quoi? Mon gars, c'est TikTok qui fait. Regardez, le truc que ma soeur m'a fabriqué. T'es maté? T'es maté ce que ma soeur m'a fabriqué? Ah, je crois que je l'ai vu. Il a plein de grandes beautés. Non, ça, je sais plus par contre. Et le truc. T'as mis une tonne? Hein? T'as mis une tonne de gel? Non. Mon gel, tu me les coloris pas? Non. Très bien. C'est assez fourni. Crois-moi. C'est le MAC Brow Set. Voilà. Maintenant, on va te mettre du blush. Est-ce que tu veux du bronzer? Bah oui, tu veux. Ah ouais. Là, je prends le milk. Non, d'abord, on fait en crème, après on fera en poudre. Là, on va te mettre du bronzer. Enfin, on va tenter, en tout cas. Parce que mon bronzer ne sort plus. Tu veux le chiclam? Non.
Est-ce qu'on te fait un contour du nez? Oui, oui. Oh, d'accord. Mais elle. Ah, mais c'est pas ce que je veux dire. Oui, ok, ok. T'es maté? Maman qui est en train de se brosser les dents, là. Très discrète. Pourquoi tu veux qu'elle soit discrète, en fait? Un pète. Pas comme qui, un pète. Ah, c'est ça qu'il dit, parce que moi je regarde une TikTok où il dit ah, j'ai pas compris un fada. Aïe, j'ai pas compris un fada. Attends, on va y aller au dos parce que. J'ai cru fada. Non. J'y suis allée au dos parce que j'avais pas à sortir pour faire bien le petit. Et pourquoi je me fais une éboule? Tu m'as dit que j'avais déjà un éboule. Pour te l'accentuer. Moi ça me le. Un petit. Ça j'aime bien ça. Là, on prend un pinceau à bronzer. Ok. Ah, tu sais, mais c'est rien. C'est Shane, je crois. Non, tu appliques à maman. Ouais. Maman, elle a assez... maman, elle a assez sur Shane. Je vais pas salir tes jeux parce qu'ils sont propres. Oh non, mais maintenant j'ai ma nouvelle éponge que tu m'as offert qu'elle est dans son boîtier là, le comme. Et ouais. Espagnol. Et ouais. Parce que je suis la meilleure sur du monde. Yes. Yes, je sais. Je rigole. C'est bien de croire en soi. Bon, pour une fois que je crois en toi. C'est bien la première, la dernière fois. Je rigole, j'y crois pas vraiment. C'est une carapace. Moi je sais que je suis la meilleure petite amie. Hein. Regarde là. C'est avec ma main gauche, déjà c'est pas évident parce que je suis droitière. Du coup, voilà. La gauchère. Ah bon oui. Non, fini. Non mais je finis. Ah, je vais t'aller laisser. Ah non. Je t'ai saoulée pour te maquiller, c'est pas mal, je vais laisser. Ouais. Mais peut-être un peu trop mis. Parce que t'as un peu le nez orange. Non, en vrai, ça va, en fait, t'inquiète. Voilà. Moi, j'ai hâte de te maquiller. Moi aussi. Tu vas être grave belle. Je vais bronzer en poudre. Après, ouais, après. Sans ma et après, terre. Tu mets aussi le blush en poudre. Ah ouais, d'accord. Et ouais. Je vais mettre le blush. Tu bouges trop ta tête, le visage. C'est bon, ouais. Ouais. Avoir une Oula. Base, pour favor. Laquelle une base, peu importe. C'est pas la mieux pour moi. Celle-là? Oh non, en vrai, la mieux pour toi, ce serait celle-là, parce qu'elle cache les pores. Vas-y, dis que j'ai beaucoup de pores. Non, mais voilà, c'est juste. Toi. Merci. Moi, belle. Moi aussi, je suis belle. Ouais, t'es retournée, toi. Tiens. J'ai un beauty blender à blush. Il fait sale, mais il est pas sale. C'est juste parce qu'il est plein de blush. Non, en fait, je préfère y aller au doigt avec lui. Ça te dérange pas? Non. Même si ça te dérangeait, c'était pareil. Hein, donc... Maman, moi, j'aime pourquoi ça nous maquille quand t'es petite avec son doigt. Son doigt, genre, il est, je sais pas, il est farineux. Non, mais maman, elle a une matière. Son genre, doigt, je vous jure, ma mère, elle a des matières de doigts, même les orteils, vous savez que les orteils. Non, les pieds, elle a pas la même matière que tout le monde. Qu'est-ce que je peux raconter? Non, rien. Les orteils, il y a une matière là. Elle est dans la pièce à côté longtemps. Et elle va faire le montage aussi. Je peux pas faire le montage de cette vidéo plutôt mieux. Ouais, peut-être que je vais le faire. Elle dit maman met du fond de teint aujourd'hui. J'en peux plus d'elle. Bon, maintenant je vais te faire deux options. Tu veux la. Bon, je pense que tu vas prendre elle, mais tu veux la ou la Beauty's ou elle ou elle. Ou la Kiko donc. Ou la W7. C'est possible qu'elle prenne la W7. Voilà. Je t'aurais recommandé celle-là parce que celle-là elle est beaucoup plus mat. C'est la plus mat que j'ai. Voilà. Donc, moi en fait, c'est pas beau. Je fais un truc chelou, je sais, j'ai mais découvert je le fais. Un truc. Touche pas, tu vas me la casser, touche pas. En fait, je prends une plaque comme ça et je mets ma poudre dessus. Genre, mais la poudre dessus. C'est vrai. Je mets mon. Comment ça s'appelle? Des fois, je mets mon. Non, tu sais, et tout, mais genre là. Je vais faire des mélanges. Poudre, j'aime trop. Genre de fond de teint et tout. Ouais, genre là, la poudre, j'aime trop, je fais ça. Voilà. Moi aussi j'aime trop. Comment ça? Voilà, je fais. Attends, je vais t'en prendre une. L'autre jour, j'ai fait une vidéo en gros. Vous voyez dans la vidéo 24h. Enfin, un épisode Molière, en fait, je me mettais maxi avec les produits Molière. Et en gros, j'utilisais très bien. Et en gros, j'avais utilisé celle-là, vous vous souvenez? Eh mais je t'ai dit à toujours. Non, c'est que je quand elle a utilisé ça, je lui dis ouais, oh mais j'avais pas vu ça moi quand je l'avais testé, tu m'avais fait hein, est-ce que tu l'as testé? Bah, arrête de plisser, je suis en train d'essayer de t'enlever, regarde dans l'air. bouge pas. J'avais utilisé un petit cerne. Lequel? Le Ouda. Non.
Le... Charlotte. Non, c'est pas. Bah ça va ça. Il avait utilisé le blush d'or. Et... et... Le bronzer, après je crois que j'ai pris le Kiko ou le Lila. J'ai pas de Kiko. Petit Beauty. J'ai pas de Kiko, bronzer Kiko, j'en ai pas. T'es sûre? Ah non, c'est oui. Moi qui l'ai lu. J'en ai un peu là. Ah, ouais, ah non, j'avais pris le Nars en bronzer. Mm-hmm. Même que je vous l'avais dit, il a une couleur grave bizarre, il est hyper moche. Mmh. Regarde dans l'air. Et arrête de parler. Mais... Regarde dans l'air, regarde dans l'air. Non mais oh, regarde, bah, lève la tête, regarde. Donc c'est la Huda Beauty Pound Cake. Voilà, je vous donne les refs en même temps. Pound Cake. Elle est trop bien, vraiment. Pound Cake. Stop. Ok, merci. Maintenant, on va prendre le bronzer Nars Laguna. Ouais, sort le vieux aussi. Franchement, il va mettre le truc milk. Tu veux pas que je te fasse des taches de rousseur? Non, t'aurais pu me mettre le tarte. C'est, ils ont la même couleur. M'en fous, je n'ai pas le tarte. J'ai mis un silence, je te promets. Bah non, du coup. Moi, je repasse par-dessus le comment ça s'appelle, le contouring avec le bronzer. Pour mieux creuser. Donc là, je te mets le Fenty en highlight ou le Kiko? Kiko, parce qu'il est... Bah, il se voit plus. Parce qu'il est... Non, parce qu'il est en poudre. J'aime pas les liquides. T'as jamais essayé? Si. Le Fenty. Donc voilà, le Kiko, c'est le... Unexpected Paradise Highlighter. En 02 Golden River. Voilà. S'il existe encore, si vous arrivez à le trouver, écoutez. C'est un spécial Noël en fait, il est que dans les parcs de Noël. Donc là, on prend un petit, je le prends un petit. J'ai même en bleu. Et je le mets au bout du nez. Fais. Tu mets la face. J'aime trop la coque que je lui ai offert. Genre, comment ça fait gros là. Moi aussi. C'est un gros téléphone, vous savez. Genre, vous voyez là, comment ça dépasse du téléphone. Là-dedans. Je fais une coque comme ça. Mais genre, pas en kawaii. Bref, donc voilà, là ma mère va venir lui faire ses yeux. Je sais pas si t'as montré les yeux comment ils vont les faire. Non, t'as déjà. Donc elle vient de veiller. Donc voilà. Elle arrive. Regarde ce qui est bien. Donc là, maman est venue me faire les yeux parce que maman, elle est mieux. Donc c'est parti. Moi, je m'occupe des yeux. Je suis prête aussi. Toujours très simple, Tata et moi, vous le savez. Et j'ai mis du fond de teint aujourd'hui. C'est exception. Pas les couleurs. Finalement, j'ai pas choisi les couleurs, je choisis les couleurs. Elle avait un dégradé de vert. Bon, d'abord j'ai commencé par lui mettre une base de blanc, comme ça éclaircit bien la paupière. Et après, du coup, le verre il accrochera mieux. Du coup, elle va être tombée. Tu fais à paupière, l'autre fard à paupière elle accrochera pas. Si tu mets de l'anti-cerne, ça accrochera. Non, mais dans le coin pour commencer, vu que le coin est blanc, je commence par mettre le blanc. Et après, tu vas pas m'apprendre, je vous ai toujours maquillé pendant les carnavals. Ouais, dit en dessous pour que ça accroche. Là, au coin. Tais-toi. Ouais, je vous ai toujours maquillé pendant les carnavals et vous avez toujours été super bien maquillé. J'ai jamais dit le contraire. Ouais. Tu dis ça accrochera mieux. T'en as mis toi déjà t'as mis quelque chose non déjà? T'as mis de l'anticerne sur les paupières? Ouais, un peu. Ah voilà, parce que là je vois que... Mon paupière est très blanche, je crois, d'habitude. Ouais. Tourne un peu la tête. Du coup, vous avez critiqué ma... Non, on n'a pas critiqué, on aime trop ta matière de doigts. Là, quand tu fais avec tes doigts, là, c'est tout doux. Hein? Mon nez, elle me faisait avec les doigts, c'était pas doux. D'accord. C'était pégueux, tu vois. Okay. C'était genre doigt. Vous allez voir, elle est trop forte pour le projet avec la maman. Maintenant, il me faut des pinceaux par contre. Ils sont où les pinceaux? Oh bah, non, ils sont. Donc, on va commencer par le vert. Je vais prendre. Juste au point de l'œil. Lui. Moi, c'est la double. Je vais commencer par lui. Il faut commencer là le point. Voilà. Maman, elle est grave sur les détails quand même. Quand elle fait même pour les dessins et tout. Genre, elle les fait hyper bien. Pourtant, même si c'est sans quelqu'un, elle les fait hyper bien. Parce qu'elle regarde tous les détails. C'est ça. Vous voyez, regardez. Là, hop, on a commencé avec le vert clair. Après, on va partir dans le vert un peu plus foncé. Après, j'ai trouvé un stop palette. Oh, maman, elle nous a toujours maquillé pour les carnavals. Elle nous a pas fait. Voilà, on a mis le vert clair. Vous voyez les espèces de traits là. Quand on était petit. Maintenant, on va partir sur un vert un peu plus foncé. Donc, du coup, je vais lui là. Ce qui va se mélanger au clair. On dirait du sapin, genre couleur sapin. Mm-hmm. C'est trop beau, j'aime trop les verts comme ça. Du coup, vu que j'ai commencé le vert clair là, je me mets un peu là. Oh, lui il est bien. Il est doux, non? Ah ouais. Mais il est fluffy quoi, tu vois, il est agréable.
des pinceaux beaux. Et là maintenant je vais prendre un peu le foncé comme ça pour foncer un tout petit peu plus. Léa, t'as les numéros si tu veux pour dire. Je vais prendre lui. Comme ça je vais lui faire le dessous en vert et je vais c'est venir là. Comme ça. C'est là pour faire les petits genre. Regarde un peu en haut. Ça commence à bien prendre forme. C'est magnifique. Ça va bien la tenue le haut. Ah oui. C'est trop beau. Donc juste tu peux en mettre un mascara genre waterproof parce que. Ouais, quand tu peux te toucher les. Vous comprenez si on me donne un truc qui me fait pleurer, tu vois. Maintenant, on va dessiner un peu les sourcils. C'est trop beau. Bon maintenant je vais lui redessiner un peu juste le dessus du sourcil avec ma petite palette Chiclam. Qu'elle fait tout le temps. Qui est trop bien. Là, vous allez voir la différence entre un sourcil fait et un sourcil pas fait. Là, je vous montre de plus près. Là, du coup, je vais redessiner le sourcil. Là, vous avez un sourcil dessiné et un sourcil pas dessiné. J'aime trop les make-up, je crois. Ah, quand c'est coloré comme ça. On met le mascara et on a fini. Et on est sur du Waterproof Too Faced de Monia. Et voilà, le make-up de Lia est terminé. J'aime trop, je suis fan. Allez, maintenant, on vous embarque avec nous pour vous préparer. Il y a des toutes vertes. On va voir. Donc là, on commence à gonfler les ballons. Ça, c'est des ballons que j'ai commandés sur Shein. Et du coup, on a le petit gonfleur, donc c'est super pratique pour gonfler. Donc là, on va tout gonfler, on va installer toute la terrasse et on vous montre. La préparation se termine. Voilà, on a fait notre petite arche de ballon avec la petite nappe sirène, hein, le petit happy birthday. J'aime les sirènes, alors oui, j'aime les sirènes. Et alors ? Voilà, Lia, c'est une sirène. Voilà. Viens là, te fondre au décor. Montrer comme t'es belle. Voilà, ma petite sirène. Est-ce que ça te plaît? Oui! Allez, maintenant il nous reste plus qu'à tout préparer et tout installer. Ça me plaît le vent. Monia, est-ce que ça te plaît? Oui. Ça te plaît? Ça te plaît ou pas? Oui, ça me plaît! Du coup, là on a fait les courses et on a pris plein de bonbons qu'on a mis comme ça dans des assiettes. Voilà, avec des petits pop-corn. Avec la nappe comme ça, j'aime trop. Et on a mis des petits tabourets là comme ça pour si on veut s'asseoir ou quoi, manger un peu. Des bonbons, parce que ça, je pense que je vais beaucoup le faire dans la soirée. Et on a acheté ça aussi. Donc, c'est des bougies, mais ça, c'est basique. Le 11. Voilà. Donc, voilà, ça y est, tout est prêt. Notre petite table. Il y a ma meilleure assistante qui m'a aidé à tout préparer. Et Lilia aussi. Regardez comment elle est belle, ma sirène. J'ai faim. Regardez comment elle est belle, ma star. J'ai faim. Voilà. Là, on a une petite table de bonbons. Donc nous sommes le lendemain de l'anniversaire de Lilia et du coup on vous fait un unboxing de tous ses cadeaux. Voilà. Allez, montre-leur tes cadeaux. Alors en premier, c'est ça. Donc en premier j'ai eu un cadeau comme ça, histoire d'or. Donc j'ai eu en fait une carte cadeau pour que je fasse le deuxième trou aux oreilles. Et on vous le montrera en vidéo. Oui, parce qu'on va y aller demain. Donc du coup on vous embarque aussi avec nous dans cette vidéo pour faire le deuxième trou. Ce fameux deuxième trou comme sa sœur. Voilà. Je le voulais trop. C'est trop beau, je trouve, quand on met des bouts d'oreilles. Ensuite, on va montrer ça. Ça, j'aime trop. Donc ça, c'est une djellaba comme ça. Elle est trop belle et en plus, ma couleur préférée, c'est le bleu. Donc, Elle est trop contente. Ça, je le voulais trop quand j'avais vu chaque son. Et c'est en fait une maison qu'il faut construire nous-mêmes. Là, les bords blancs... les trucs verts et tout, faut que ça soit nous qui le passe. Moi j'ai trop envie de te faire en fait avec Monia. Moi. Avec Monia, on a dit nous tarde trop de que le faire. Tu sais que qu'on doit les mettre et que la porte verte comme c'est ça, c'est moi qui dois la peindre. Mais c'est trop mignon. Et dedans, mais c'est trop bien. Je vous ai pas dit, c'est pas qu'une maison comme ça. Déjà, il y a la lumière pour s'allumer quand c'est la nuit. Et il y a des mini savons. Ensuite, donc, j'ai eu un. Un doodle, coloriage. En gros, c'est un coloriage où t'as plein de petits dessins collés. Voilà. Olivia adore colorier et dessiner, vous le savez. J'ai eu une baie brillante comme ça. J'aime trop pareil pour décorer ses petits cahiers. Pourquoi ? Ouais, voilà, décorer les cahiers. Donc j'ai des lettres dorées en diamant et des chiffres dans un diamant. J'ai rangé, m'excuserai, mais tout à l'heure on a bronzé un peu. Je me suis posée à faire des cailloux. Et j'ai eu des Posca. J'aime trop les Posca.
pour quand on va à la plage ou quoi, bah, j'aime trop dessiner sur les galets. Donc voilà, et en plus c'est la mine fine. Et j'en avais pas du dessin. Ensuite, alors ça. Donc d'abord, j'ai eu un parfum comme ça, Adopt, à la fleur de charrue. Qui sent bon le monoeil. Voilà. Et vraiment, il sent très très bon. J'aime trop. Et celui-là, il va beaucoup me plaire cet été. Et il a des paillettes. Des paillettes dans ma vie, Kevin. Ensuite, j'ai eu un masque pour les lèvres comme ça. Et celui-là, je l'avais pas. Donc pourtant, j'ai beaucoup de l'action. Mais celui-là, il m'a jamais genre transpiré. Tu vois, j'en ai trois détestés. Ensuite, moi, je voulais trop. C'est nouveau. C'est nouveau. Attendez, regardez. Ça, j'aime trop ça. J'ai un petit masque en mode de compote. En mode yaourt là, vous savez les yaourts. Univers, c'est le univers. Voilà, mais ça par exemple le visage ou c'est pour les cheveux, je sais pas. Facial. Ouais. C'est le visage, c'est peel off. Là c'est un cœur, c'est Gold Ever. C'est ça. Incroyable. Gold Fever. C'est incroyable. C'est trop beau. Incroyable. Attends, je veux sentir. Non, après, je sais pas, j'ai pas ouais, d'ouvrir. C'est pas bon, ouais. Tu fais rentrer de l'air ouais, après. C'est pilote aussi. Et là, c'est le diamant. Celui-là, il est trop beau. Je l'aime trop aussi. Et c'est le holographique. J'aime trop. Et c'est tout des nouveaux là. Je n'ai jamais acheté. Ensuite, et ensuite, deux choses. Et après, j'ai des boucles d'oreilles comme ça. La vie en or. Donc, c'est des petits diamants. Et ça aussi, ce sera bien pour mon deuxième trou. Voilà, des petits brillants en or qui iront au deuxième trou dès qu'ils auront cicatrisé. Voilà. Oui, bon, aussi, je mettrai d'autres choses aussi au deuxième trou. Ah oui! Ah oui, ensuite, et ensuite, j'ai eu de l'argent. J'ai eu de l'argent, j'ai eu 60 euros. Complet. Oui, elle a été très gâtée. Voilà, elle est contente de son nouvel iPhone. Et de ma nouvelle coque. Et on va faire la maison. Donc c'est parti en voiture, on vous embarque avec nous pour faire le deuxième trou de Lilia. Comme ça, vous allez tout suivre, le avant, le après. Elle a peur d'avoir mal. Et on va récupérer ses lunettes de vue parce que du coup, elles sont prêtes. Let's go. C'est Lilia ou pas? Non. Si elle a peur, elle me dit quoi? L'autre jour c'était du bluff quand je faisais, j'allais pas vraiment le faire, elle me dit. Ah donc en fait tu disais que tu le voulais alors qu'en fait c'était du bluff. Non, je veux pas le faire, mais c'est vrai, tu vois, genre là vraiment que ça y est, ah ben c'est là. C'est parti, on est arrivé. Ça va le faire. T'inquiète. Tu vas y arriver. Tu bouges pas. Hein. T'auras bien la place pour un troisième. Ouais, moi je suis quota. Tu regardes. Ouais, elle a tremblé les yeux, elle s'est été. Il y a toujours un côté. Il y a toujours un côté qui. Voilà, ça y est. Allez, mais là tu peux regarder les deux côtés. Regarde comme t'es belle. Voilà. En plus c'est trop beau parce que t'as un brillant de suite, tu vois, c'est pas c'est pas comme moi, j'ai une petite boule là. Allez, je vais prendre de la poudre. Donc voilà, ça y est, montre-nous tes belles oreilles. T'es belle. Ouais. Est-ce que ça t'a traumatisé? Non. Ça t'a pas traumatisé? Non, ça fait moins mal. Ça fait moins mal? J'ai encore mal. Et du coup maintenant, petit passage chez Sephora. Voilà, pour la Miss, ça y est. On commence à... grandir, à vouloir du make-up comme sa sœur. Donc, on va vous montrer ce que les filles ont pris chez Sephora. Et du coup, Lilia, vu qu'elle a eu de l'argent pour son anniversaire, elle s'est aussi acheté des choses. Donc, elles vont vous présenter ce qu'elles ont acheté. Mais avant ça, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ton deuxième petit trou? Niveau douleur. Niveau douleur, ça fait mal quand on l'a fait. Et là, non, là, le sang, par contre, ça brûle pas comme tu m'as dit. Ah. Mais par exemple, genre, ça fait mal. Là, si tu touches pas, t'as pas mal. Voilà, si je touche pas, j'ai pas mal. D'accord. Mais là, par exemple, quand là j'ai passé mon t-shirt, quoi, ben, ça m'a fait mal. Il va faire attention, c'est normal, c'est le premier jour. Après, demain, ça ira mieux. Puis dans une semaine, ça ira mieux. Et puis quand je l'ai fait, quand ça a passé, j'ai dit pendant au moins 10 minutes, ça m'a fait mal. Et ouais, c'est sensible. Mais bon, après, c'est trop joli parce que regardez, elle lui a mis des petits brillants en plaqué or. Donc, du coup, en fait, c'est comme si ça faisait longtemps qu'elle les avait. Et bientôt, je dis le troisième. Comme Monia. D'ailleurs, aujourd'hui, ça fait un an, jour pour jour, que Monia a fait son deuxième trou et on vous l'avait filmé. Et si vous avez regardé, c'est le vlog d'Espagne et on avait rassemblé un peu tout. Et du coup, ben voilà, elles sont synchro à un jour près alors qu'on n'a même pas fait exprès. Bon, Lilia, t'as pris quoi chez Sephora? Montre-nous. Alors, chez Sephora, j'ai pris une palette comme ça. Je vais vous montrer comment elle est trop belle à l'intérieur.
les couleurs elles sont incroyables. Ouais, alors les couleurs elles sont vraiment, elles sont mates, elles sont un peu, c'est tout ce que j'aime. Et en plus, il y a le petit miroir. En plus, quand on pousse, il y a le petit miroir qui se sort en fait. Trop pratique. Ensuite, chez Sephora, j'ai pris ça, le nouveau mascara comme ça. Sephora, c'est le Big By Definition waterproof. La même couleur que mon ongle. Ah ouais. Ah ouais. Et ouais, voilà, donc c'est le, parce que j'aime trop, c'est une Monia, l'effet qu'il fait. Et vu que moi j'aime trop les waterproof, c'est pour si je me gratte l'œil ou quoi, ben c'est ça que j'aime trop. Du coup, j'ai pris lui. Voilà. Et après, ensuite, ce que je me suis acheté moi-même, ma base Kiko, parce que j'avais piqué. Quand elle joue avec le maquillage, comme je veux pas qu'elle ait de boutons ou quoi, c'est très important. En fait, même si c'est pour jouer, de mettre une base. J'ai piqué celle de maman et après ma poule, donc j'ai racheté. Voilà. Et Monia, normalement, elle devait rien avoir, mais elle a quand même tapé l'incruste. Hein? J'ai pris un blush et c'est un truc pour les lèvres. En fait, c'est comme une encre Benefit. Regardez comment c'est trop mignon. Elle a installé toutes ses créoles sur son petit présentoir dressing à bijoux. C'est trop, trop mignon. Là, elle a installé toutes ses nouvelles petites trucs trop kawaii. Sa petite huile à lèvres Shiglam. Là, c'est le tiroir à make-up de Lia. Dites-nous en vidéo si vous voulez une présentation du make-up de Lia. Là, le bronzer. Là, le bronzer. Avec le blush à côté, le même. Yes. Donc voilà, mes chéris, ça y est, cette vidéo se termine. On espère que cet épisode de l'incroyable famille Molly M Total anniversaire de Lia t'a plu. Voilà, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que votre, que... voilà, on a hâte de lire vos commentaires. Merci d'être plus nombreux chaque semaine. Merci pour tous vos gentils commentaires. On approche les 50K, ce qui veut dire que bientôt il y a un autre concours qui arrive. Donc restez bien à l'affût sur chaque vidéo, parce que vous le savez, les concours, je les annonce toujours dans les vidéos. Et aussi, on va bientôt faire aussi le Yes Man Challenge, les 50K, le Yes Man Challenge, toi. Et du coup, pour les 50K, on verra ce qu'on fera. Voilà. Bon, on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye!